L'invité du jour avec Prisca Aïman. Salam à tous, bienvenue à cette émission L'invité du jour, une capsule didactique qui nous apprend beaucoup de choses sur les questions de santé. Comme annoncé depuis 8h à la matinée de la vie, nous sommes là pour échanger avec le même consultant qui n'est autre que M. Zabi Frédéric, psychothérapeute, spécialiste donc dans la gestion post-traumatique. Il est aussi conseiller familial, criminologue, éducateur spécialisé. Voici donc quelques informations sur sa fiche signalétique en termes donc de métier qu'il pratique, de domaine de compétences par la grâce du Seigneur. Nous allons encore échanger au sujet donc de la santé, hein, la faillite émotionnelle, la santé de l'esprit, la santé des émotions. Vous savez, en réalité, la souffrance psychique peut se manifester dans chaque domaine de l'existence humaine, comme les problèmes de couple, les problèmes au niveau de la sexualité, les problèmes dans le monde professionnel, les problèmes d'humeur et de vécu. Voilà, et dans bien d'autres domaines qu'on peut citer encore, hein, surtout aussi dans les humeurs, hein, voilà, dans les troubles somatiques, dans des humeurs dépressives, dans des peurs, dans un manque d'énergie vitale, dans l'irruption d'émotions, dans des dépendances, dans des compulsions. Certainement qu'on va creuser la réflexion, pas forcément aujourd'hui. Nous allons tout de suite saluer notre consultant. Merci d'être revenu à ses habits, Frédéric. Bonjour madame, merci encore de me recevoir à nouveau sur votre plateau. C'est cela. Ben, c'est une joie pour moi de pouvoir partager avec vous et avec les auditeurs le peu de choses que Dieu a mis. Effectivement, et en tout cas c'est de bonne guerre parce que nul n'a la science infuse. Tant qu'on vit, on doit apprendre. Et c'est ce que nous faisons à cette tribune qui parle des questions de santé. Alors, Monsieur Zabi Frédéric, nous allons toujours parler de la psychothérapie, bien élaguer les choses pour mieux comprendre le sujet, voilà, afin de mieux le comprendre. On va parler toujours de la psychothérapie. Alors, en quoi est-ce qu'elle est différente de la cure d'âme qui est pratiquée par les serviteurs de Dieu? Ben, je vous remercie beaucoup, madame. Je peux vous dire d'emblée, en prenant le soin de dire à chaque auditeur shalom, oui. Je peux vous dire d'emblée que le premier véritable psychothérapeute, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est bien dit. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que vous allez voir que, avant de commencer à opérer une guérison quelconque, avant d'apporter la réponse à un besoin quelconque de n'importe lequel des personnes qui en son temps le suivaient, le Christ prenait la peine de lui demander ce qu'était son niveau de foi. Ça veut dire, il prenait la peine de voir si la personne était d'abord volontaire pour obtenir ce qu'elle demandait. C'est ça. Et c'est le premier outil avec, la première arme de travail du psychothérapeute ici. Donc je peux dire que la cure d'âme, la psychothérapie, c'est des sciences voisines. Mm-hmm. C'est des sciences voisines, sauf que en matière de cure d'âme, on s'occupe beaucoup plus de l'âme que d'autres choses. Parce que cure veut dire soin. Cure veut dire soin. Oui. Thérapie veut dire également soin, traitement. C'est la même chose. La cure de l'âme ici. Et l'homme de Dieu, très souvent, va utiliser les mêmes méthodes que le thérapeute, le psychothérapeute. Parce qu'il va fouiller l'histoire, il va fouiller l'anamnèse de celui qu'il va prendre en charge. C'est également la même chose que fait le psychothérapeute. Oui. Sauf que ici, la différence va se situer dans des approches. Parce que le psychothérapeute, lui, il va aller un peu dans la science, dans une science qui est un peu voisine de la médecine. Il va appliquer des termes, il va appliquer quelques méthodes, il va s'approprier certaines choses qu'il va emprunter à la médecine. Alors que l'homme de Dieu, lui, il va rester dans le côté purement spirituel, à l'écoute du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, voilà, qui sera le premier opérateur dans la guérison de la personne ici. D'accord. C'est juste ça qu'on peut, que je peux dire. C'est cela, donc la différence entre la cure d'âme et la psychothérapie. C'est ça. Alors, le psychothérapeute, est-il un psychiatre ou un psychologue? Est-ce qu'il y a une différence entre un psychiatre et un psychologue? Il y a
une grosse différence entre... Bon, quand je dis grosse différence, il faut relativiser les choses. Il y a quand même une différence entre le psychothérapeute, le psychologue et le psychiatre. Il faut dire que le psychothérapeute, c'est un professionnel de la médecine douce qui a habilité normalement à traiter des personnes qui souffrent de troubles psychologiques ou somatiques, comme je l'ai dit. Pour simplifier, troubles psychologiques, on l'a dit, hein, c'est tous les troubles liés au vécu des gens, à leurs émotions, à leur comportement, etc. Et il y a les troubles également, ça a des répercussions somatiques, c'est-à-dire que ça s'exprime, ça s'extériorise par des maladies. Très souvent, on ignore qu'il y a un lien de cause à effet entre la maladie qu'on a et puis l'état de notre esprit. On ignore cela. Et donc, le travail du psychothérapeute va consister à aider ces patients-là, non seulement à les libérer des traumatismes de leur passé, mais aussi à comprendre leur état présent dans le but, en fait, d'atteindre un bien-être extérieur. Ça, c'est un peu différent de la pratique du psychologue. Le psychologue, lui, c'est un professionnel qui possède un certain bagage universitaire dans le domaine de la psychologie. Bien avant l'année 2002, on exigeait juste d'avoir la maîtrise pour être qualifié psychologue. Aujourd'hui, il faut nécessairement avoir un doctorat. Donc, parce que c'est, le jeu de la chose est trop sérieuse. Absolument. Vous savez, c'est des traitements qu'on apporte. Oui. Et on ne peut pas traiter des hommes à la légère. Donc, on ne peut pas se contenter d'un diplôme. C'est vrai que la maîtrise, c'est un diplôme de deuxième cycle universitaire. Mais on s'est dit, il faut creuser, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, comprendre bien les choses et tout ça, afin de pouvoir aider les gens. Et comme je le disais, n'apporte pas les soins qui veut et qui peut. La médecine et également la psychologie ou bien la psychothérapie, ici, on n'a pas le droit à l'erreur. Parce que si on se trompe, on épaissit le problème de la personne et on l'encourage à aller vers le gouffre, au lieu de pouvoir le tirer de là. Donc, alors que la psychothérapie, c'est un soutien spécialisé offert à des personnes souffrant de troubles psychiques ou de maladies dont l'origine est psychique. Absolument. Voilà, donc ce sont ceux qui ne réussissent pas, à maîtriser leurs difficultés, leurs troubles, leurs symptômes et leurs problèmes, voilà, ou qui ne gèrent plus suffisamment seuls leur vie, qui sollicitent. Madame, je crois déjà qu'à force de vous intéresser au domaine, vous allez très bientôt devenir psychothérapeute. Parce que là, ce que vous en dites est tellement intéressant que, voilà, là, j'ai rien à ajouter là-dessus parce que c'est exactement... Pourtant, on a besoin de votre expertise. Non, mais c'est très bien dit. Et je pense que chacun de nous devait pouvoir se documenter comme ça pour pouvoir savoir un peu ce qui se passe dans son vécu personnel. C'est ça. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qu'on vit au quotidien. Et ces problèmes-là, ça a des conséquences qu'on ne maîtrise pas forcément et qui nous amènent dans des déviations. On ne comprend pas forcément. C'est ça. Et donc, d'accord. Voilà. Donc, on va essayer de parler de l'importance du suivi psychologique. Je sais que en Europe, c'est beaucoup développé cette question de psychologie, de psychiatrie, de psychothérapie et tout ça. Lorsqu'il y a une catastrophe, lorsqu'il y a un malheur, une prise d'otage ou des attaques, comme on a dit, terroristes, tout de suite. Il y a une cellule psychologique, voilà, qui est mise sur pied pour un suivi psychologique des victimes. Absolument, parce que les gens en Europe, ils ont compris une chose. Oui. Ils ont compris que l'homme est le résultat de son histoire. L'homme est le résultat de son vécu. Il est le résultat de ses émotions. Donc, quand les émotions, le vécu, l'histoire de la personne ne sont pas bien contrôlées, on arrive forcément à quelqu'un qu'on peut ne pas reconnaître. C'est ce qui les emmène justement, en cas de situation problématique, à mettre sur pied, dans l'urgence, une équipe pour prendre en charge les gens de façon efficiente. C'est ça. Bien évidemment, il faut faire la distinction entre le thérapeute, comme je n'avais pas terminé là-dessus, et puis le psychiatre également. Oui, oui. Parce que la psychiatrie, c'est une branche de la médecine, en fait, qui s'occupe de l'état également de l'homme et de son état spirituel et immatériel. Donc là, le psychiatre, lui, il a la possibilité de faire des prescriptions, contrairement au psychothérapeute et au psychologue. Le psychologue, lui, il travaille souvent aussi avec le médecin psychiatre. Okay. Voilà.
Donc ça, c'est différent, c'est tendu. Donc quand il y a un problème qui se pose, il faut développer tout de suite le réflexe, c'est vrai, de la consultation médicale pour décanter la part du médical de la part du spirituel et de l'immatériel. Quand on a décanté cela, en ce moment précis, on peut s'orienter également vers une consultation psychologique. Et là, à ce niveau-là, on a forcément besoin d'un psychothérapeute ou alors d'un psychologue. D'accord. Pour l'exemple que j'ai donné, pour des attaques peut-être terroristes et d'autres catastrophes et tout ça, les gens sont traumatisés. En Europe, je veux dire que la pratique est courante. Voilà. Alors, quand ces personnes, ces victimes-là sont prises en charge, c'est bien. Et si elles ne le sont pas, si elles ne sont pas prises en charge, quels sont les dangers sur le plan psychologique et sur le plan spirituel qu'elles encourent? Vous voyez, avant de répondre directement à votre question, oui. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez pris l'habitude de regarder certains films à la télévision, un film comme on l'appelait Jack Bauer par exemple, oui. On va voir que dans le film, chaque fois qu'il revient d'une mission, on va l'emmener à un débriefing pour lui permettre de raconter ce qu'il a vécu. Parce que s'il ne le fait pas, il encourt deux phénomènes, l'enquistement et l'explosion. C'est-à-dire que tout ce qu'il a vécu, parce que c'est un homme, et à qui on va confier une mission d'aller, par exemple, tuer d'autres hommes. Même si ces hommes-là sont des criminels, il va les tuer, il va les regarder en face, il va poser des actes ignobles. Et quand il vient, il va revivre ça en boucle dans sa tête. Et ça lui cause des problèmes. Vous savez, madame, il y a des maladies qu'on développe très facilement. Des maladies comme l'ulcère d'estomac, par exemple, les migraines, l'affolement du rythme cardiaque, on peut faire même un AVC. Tout ça, on peut croire que ça a des causes physiologiques. L'idéal, c'est d'abord d'aller consulter un médecin pour voir si ça n'a effectivement pas de cause physiologique. Mais très souvent, quand on est dans des situations de stress intense, on peut développer ces maladies sans s'en rendre compte. Et quand on va à l'hôpital, on fait tous les examens, les résultats sont tous négatifs. Et très souvent, ce qu'on dit en Afrique, c'est que ce sont les sorciers. Je peux vous rassurer, ce ne sont pas forcément les sorciers. Ça peut être lié à des stress que nous vivons. Pour comprendre cela, je vais vous prendre un exemple simple. Oui. Prenons l'exemple de quelqu'un qui vit, par exemple, un ulcère d'estomac. C'est une plaie de la paroi de l'estomac. En temps normal, vous et moi, on a notre système digestif qui va sécréter en quantité presque égale des substances acides et des substances basiques qui vont s'équilibrer. Quand il y a la nourriture qui vient, en ce moment-là, le système digestif va sécréter beaucoup plus de substances acides que de substances basiques pour faciliter la digestion. Quand on est stressé, qu'on a des problèmes avec son époux, avec l'éducation de ses enfants, avec notre vécu quotidien, avec notre patron au travail, avec une collègue, une amie, quand on a ce genre de problème qu'on n'arrive pas à évacuer, en ce moment précis, notre cerveau va envoyer un influx au système digestif pour lui dire « Attention, il y a quelque chose que tu as dedans ». Et dès que ce signal-là est donné au système digestif, automatiquement le système digestif sécrète beaucoup plus de substances acides. Parce que le système digestif dit, il y a de la nourriture qui est venue. Et il faut faire les choses pour que l'estomac puisse digérer cette nourriture. Alors qu'en réalité, il n'y a rien. Quand vous prenez de l'acide que vous versez sur du carreau, vous allez vous rendre compte que ça va faire des dégâts. C'est corrosif, ouais. Donc l'acide qui est déversé en quantité anormale dans l'estomac, ça crée des plaies. Alors, monsieur Zabi, Frédéric, ne dites pas tout. À cette émission, ne dites pas tout parce qu'il y a d'autres choses encore à dire aux émissions à venir. Et nous bénissons Dieu de nous avoir eu encore aujourd'hui. Vous n'avez ménagé aucun effort pour être là. Merci d'avoir bougé un peu votre calendrier pour être là. On sait que tu es encore sur une route inachevée et c'est ostensible, c'est à dessein. Nous croyons que la semaine prochaine, nous serons encore enrichis par véritablement ce que nous entendons. C'est très important, la santé, sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, c'est très important. Et nous en parlerons encore, par la grâce de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Au revoir. L'invité du jour avec Prisca Aïmon.